j'ai 20 ans. J'ai obtenu mon bac ACC spécialisé dans le commerce et communication. Puis je suis rentré en BTCI, commerce international. Mes motivations, c'était l'approche plus approfondie de tout ce qui est commerce, marketing, relations avec l'étranger, très important, l'approfondissement des langues. Durant mon BTS, j'ai effectué un stage à l'étranger. Ça m'a permis d'approfondir mon niveau d'espagnol, parce que j'ai fait en Espagne, à Alicante. Durant mon BTS, j'ai fait plusieurs stages, principalement axés sur les transitaires, donc échange de marchandises, études de méthodes de paiement, donc les documentaires. Sinon, j'ai fait de la prospection. Pendant mon stage à l'étranger, j'ai travaillé pour des entreprises, pour la prospection, de la recherche de salons. Personnellement, je suis quelqu'un de plutôt motivé, dynamique. J'ai une autre activité dans le domaine de l'e-sport, c'est-à-dire des jeux vidéo en ligne. J'étais manager d'une équipe et j'ai réussi à mener mon équipe à la Coupe du Monde qui s'est déroulée à Bercy pendant 2 ans. C'est une équipe autrichienne. J'étais pas le joueur, j'étais celui qui menait l'équipe en haut et qui trouvait justement les aspects financiers, les sponsors, etc. Et c'est vrai que tout ce qui touche au marketing, communication, j'aime beaucoup. J'ai fait du basket, plein de sports collectifs. J'étais en club pendant 5 ans. J'ai pas voyagé vraiment à l'étranger, je suis toujours resté en Europe. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir aussi, partir et découvrir. Et pourquoi pas dans le cadre d'une prospection. Sinon, la raison pour laquelle je suis ici, j'ai été accepté à l'IFAG, une école de commerce de management à Paris. Cette école de commerce donc, peut me délivrer un master en fin d'année. Cette école de commerce est reconnue par l'État. C'est une bonne école de commerce. Et je sais qu'il y a des bons professeurs qui ont en même temps une profession à côté.